Hé, hey, Chris, qu'est-ce que tu fais? Tu veux un délicieux repas mexicain? Tu veux filer un clébard? Délicieux, c'est ça, ouais. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Quoi? Du poulet à écailles. Du quoi? Ici, on l'appelle comme ça. Rhume, migraine, gueule de bois, ça guérit tout. De l'iguane. C'est ce qu'ils disent. Même les indigestions? Saloperie. Un taco à l'iguane. Oh. Il y avait ça aussi, au Salvador. Ouais, la même merde. Et en Angola, on bouffait pas bien là-bas? De la merde. Ouais, et en Rhodésie? De la merde. En Hambourg? De la merde. Donc en fait, si c'est pas New York, c'est... C'est ça, oui, de la merde. Regarde-moi ce gaspillage. Faut décrocher un job à New York. Pas bien compliqué, ça, ça manque pas de connard là-bas. Bon, c'est le moment de bouger, fils, allons-y. Oui, oui, oui.
Danny, monte. Ces bédouins entraînent des maladies auxquelles je ne veux même pas penser. Willem. Retenu chez un client. Quel client? C'est là qu'on va. Ok, c'est parti. Bon, le client, c'est un cheikh, un de ces sultans du pétrole. Il régnait sur une vaste étendue de désert jusqu'à ce qu'il soit éjecté par sa propre tribu. Il vit ici depuis, en exil. Enfin bref, le cheikh est donc plein aux as et il avait un job pour nous. Hunter avait dit oui, puis il a pris la tangente. Le client l'a coincé à l'aéroport. Et puis? La suite, tu la connais. Tu as reçu le colis. J'ai reçu le colis. C'était quoi ce job? Je sais pas, mais c'était bien payé. Hunter a dit oui sans poser de questions. Pourquoi il a fait ça? 6 millions de dollars. Un pactole, Danny. Mais le job, trop lourd pour Hunter. Ouais, mais tu l'as mis sur le coup. Il voulait ce pognon. Et toi, tu avais raccroché, vrai ou faux? Ouais, c'est toujours le cas. J'en ai fini avec ce métier. Mais peut-être que le métier n'en a pas fini avec toi. Hunter a besoin de Danny, le meilleur sur le catalogue, le Danny aux couilles d'acier. Tu vois de qui je parle? Écoute, l'équation est simple. Si tu refuses ce job, Hunter est un homme mort. Ils attendent ta visite. Par ici. Il doit attendre que ses yeux s'habituent. Fais attention à cet homme, petit. Mon fils oublie les coutumes du désert. Depuis notre guerre contre le sultan, tout ce qu'il connaît de sa terre d'origine, c'est sur cette peinture. Du plâtre. Mon premier fils, Hussein, on l'a assassiné ici. Abattu devant ses enfants. Et ici, à la bataille de Mirbat, son frère Salim a été blessé et puis tué. Exécuté. Et ensuite, c'est mon troisième fils qu'ils m'ont pris. Ali. Ils l'ont traqué et assassiné lui aussi. La loi du désert dit que le sang de la victime doit être lavé par le sang de son assassin. Mais moi, je n'ai pas voulu la vengeance. J'ai voulu épargner la guerre à Bakhrit, le seul fils qu'il me restait. Alors je me suis exilé ici, dans ce désert. Je suis riche. Puissant. Mais les riches meurent, eux aussi. Quand je mourrai, je veux que Bakhrit retourne dans ma tribu. Mais pour cela, les assassins de mes fils doivent d'abord être tués. Vous n'avez pas besoin de moi, ni de Hunter. Vous avez tous les hommes qu'il vous faut. À quoi me serviraient ces hommes en Angleterre? En Angleterre? Les Anglais ont envoyé ici leurs chiens les plus féroces, prêts à tuer pour le pétrole d'un sultan. Le SS? Oui. Leur célèbre force spéciale. C'était la guerre. Pas celle de l'Angleterre. Ils sont venus sur ma terre. Ont massacré mes enfants. Ils auront affaire à ma loi. Les docteurs me donnent plus que 6 mois à vivre. Vous devrez venger mes fils avant que je meure, ou bien votre ami mourra avec moi. Peu m'importe comment vous tuerez les tueurs, mais chacun devra faire des aveux filmés. Et leur mort devra avoir l'apparence d'un accident. Rien ne devra permettre qu'on remonte à mon fils. Allez. Montrez aux Anglais qu'une guerre s'achève, seulement quand les deux camps l'ont décrété. Je vais voir Hunter.
Maintenant, repars, reste pas ici. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est pas pour toi que je suis venu. J'ai d'abord pensé aux filles et à Céline. Mets-moi donc, mets-moi donc. Explique-moi, je comprends pas. Pas facile, tu sais, de nourrir une famille. Tu leur donnes quoi à manger? 6 millions et tu te poses pas de questions? Tu te doutais bien que ça puait la merde, quand même. Évidemment, Scolté ou SAS, c'est un aller simple, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que je vais pas te laisser crever ici. Hé, hey, toi! Apporte-lui à boire. Tu m'as manqué. Toi, tu m'as pas manqué du tout, je vais même te dire. Je vis beaucoup mieux depuis que t'as raccroché. J'étais fier quand tu t'es cassé. Reste où tu es. Trop tard. T'aurais dû refuser. Ou courir plus vite. Le veut vivant. Bien essayé. Tu sais qu'il t'aurait retrouvé. On est toujours retrouvé. Tu savais. Tu savais qui était la cible et tu savais que Hunter se dégonflerait. Tu t'es servi de lui comme appât. Tu vas chercher loin, Danny. Tu me crois vraiment si malin que ça? Tire-toi. Et toi, va prendre l'air. T'as regretté hier soir sur la piste? Je suis pas très doué pour la danse. Et puis j'avais encore un tas de mesures à prendre pour avancer. Ah, ça va être très grand. Ouais, un peu trop peut-être. Tu te rappelles pas qui je suis? Ouais, bon, c'est vrai. Ça fait un bail. Anne Fraser. Anne Fraser.
crâne était rousse avec des brins d'herbe dans les cheveux. Oui. Et de drôles de bottes rouges. Avec des yeux dessinés dessus, tu te rappelles? Oh, c'est pas vrai. Toi là-bas, tu me dois 50 livres. Je vous avais pas dit qu'il reviendrait. Tu nous as manqué. Ouais? Bah me voilà. C'est super, on s'amuse un peu. Dis-moi, mais t'as pas trop perdu, t'as la forme? Un vrai tueur! Viens, faut que je te parle. Et depuis que t'es parti, t'as pas fondé une famille? Non. T'as personne qui dépend de toi? Y'a Hunter. Y'a Hunter. Parce que d'une, tu vas te frotter au SAS. Une belle bande de parano, toujours prêt au combat. De deux, t'as besoin d'infos sur Roman. Roman, personne veut en parler. Ils y étaient comme conseillers, ils ont fini par faire la guerre, une putain de guerre secrète, un peu comme des mercenaires. De trois, t'as besoin de leurs aveux. Ils savent résister à la torture, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, ils te diront rien, niette. Et enfin, Danny. C'est le meilleur régiment de force spéciale au monde. À côté d'eux, les Navy Seals font figure de folle tordue. Et pas seulement ça. Tu voudrais liquider trois de leurs agents et faire passer ça pour des accidents? Je vous demande juste d'y réfléchir un peu. Prenez un jour, plus si vous voulez, moi c'est déjà fait. Évidemment que je te suis, salopard, c'est notre métier, oui ou merde? Puis de toute façon, j'ai un compte à régler avec eux. Je voulais rentrer chez eux quand j'étais dans les paras. J'ai fait Airford et tout leur tralala. Me dis pas qu'ils ont pas voulu de toi. Tu veux que je t'enfonce cette bouteille dans l'anus? Vexé, ma poulette? Tu veux une sucette? Oh oui, une sucette. À la fraise ou à la bite? Meyer. Je te suis. Pourquoi? Bah, j'ai 6 millions de bonnes raisons. On partage comment? Une fois que l'agent se sera servi, ce sera 50-50. Entre vous deux. 50-50. Et toi, tu prends rien? Moi, je le fais pour Hunter. Terriblement touchant. Terriblement touchant et surtout très con. Le chèque n'a pu identifier qu'un seul des tueurs. À vous de me dégoter les noms des deux autres, en commençant par celui qui a tué Amirbat. Notre première cible pour l'instant, c'est Stephen Douglas Harris. Il s'est installé à Oman après la guerre. Il pilote des hélicos pour les forces armées du sultan. Super, un dingue du jus de fouet. Meyer et moi, on se chargera du repérage. Les gars, Danny, Meyer.
bien sûr, mon Visla. À la tienne, Dieu. À ta santé. T'as servi à Oman ? À Mirbat. Ça a été impossible d'oublier. T'étais à Mirbat, un sacré bordel. C'était pas joli. J'avais un pote là-bas. Mais j'y vais, j'y vais. Bordel. Allô ? Spike, c'est Bazar. Ah, mais c'est pas vrai. La prochaine fois que je te préviens, je débranche ce putain de téléphone. Oui, je suis sur un type, là, je sais pas. Il était au pub tout à l'heure, il posait au gars du SAS un tas de questions sur Mirbat. Mirbat, continue. Il dit qu'il est gallois, mais il en a pas l'air. Je sais pas, je suis peut-être parano, mais là, tu vois... Tu sais, c'est pas parce que t'es parano qu'il y a pas réellement quelqu'un à tes trousses. Attends une seconde. Dis-moi ce que tu sais. Ok. Je vais mettre un de mes gars sur ce type. Suivi jusqu'au bureau des visas. Il dit qu'il est gallois, se fait appeler Monsieur Jones. Quand il est ressorti, on l'a perdu. Perdu ? Pourquoi ? Il est pas remonté dans sa voiture, on lui avait volé. Enfin bref, on sait qu'il s'envole pour Oman dans 4 jours, je demande le feu vert pour envoyer un de mes gars là-bas pour le filer. Le gallois y va certainement pour un repérage. Cette guerre n'était pas propre. Ce qu'on a fait là-bas était discutable. Oman est un foutu nid de guêpes, comme nous le savons oui, tous. Et si ce type met un coup de pied dedans, je veux connaître son identité. Il n'y a qu'à envoyer quelqu'un. Des objections ? Je note. Bien sûr, on vous laisse choisir votre homme. J'aimerais donc que l'on note que nous sommes des anciens SAS. Les gars que nous protégeons le sont aussi. Et vous, Spike, même si vous refusez de l'admettre, vous êtes aussi un ancien SAS. N'oubliez pas qu'on est devenus des hommes d'affaires et des banquiers. Ce qu'on fait ici est illégal. On ne doit laisser aucune trace de nos activités. C'est pour ça qu'on nous appelle les soldats de plumes. Parce que notre toucher est une caresse. Ce Spike est une malheur sûre. Le jour où le SAS l'a perdu, il a perdu un bon soldat. Oui, mais le problème, c'est qu'il se croit encore membre du SAS. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. On ne veut pas que du sang éclabousse nos galons. Vous savez, moi je n'ai aucun problème avec le sang. Ce qui m'inquiète, c'est l'encre. Veillez à ce qu'ils nous tiennent à l'écart des médias. Ça va, patron ? T'es toujours aussi doué pour l'arabe ? Je me débrouille. Je t'envoie à Oman. Tu vas pister quelqu'un pour moi là-bas. T'es un sacré vénard. Vous savez que vous êtes très jolie. Vous êtes à quel hôtel ? J'ai une chambre où Hilton. Figurez-vous que moi aussi. Vous savez qu'il chante. Qu'est-ce qu'on vient foutre dans ce trou perdu ? Je lui avais demandé de bien planquer l'objet. Te plains pas, il aurait pu te le fourrer dans le trou du cul. Oh, ta gueule, Meyer. C'est parfait, merci. Ce sont les mêmes carreaux que dans sa salle de bain. 100%. Arrive un peu chez lui, il y a sa voiture, il a une idée, il va prendre une douche, oups, il glisse sur le shampoing, se cogne la tête contre le coin du lavabo, sur l'occiput. Affaire classée. C'est bon, lâche-moi. Mais vous êtes carrément à côté de la plaque. La pouffe qui tringle, elle est mariée. On les bute, elle et lui, et ça passe pour un crime passionnel. Les buter tous les deux ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est Harry ce qu'on veut, pas elle. Pauvre mec. 10 ans après la guerre, il clame pour avoir seulement suivi des ordres. Il savait ce qu'il faisait en entrant au club. Ouais, quel club ? Le club des tueurs. Ça aurait pu être toi ou moi. Ouais, mais ça l'est pas. Et je suis content d'avoir jamais tué un turban. Sans vouloir vous vexer, monsieur. Bah allez, au travail. Excusez mon copain, c'est un grossier sujet de Sa Majesté. Merde.
gars, on s'est fait repérer? Faut plus perdre de temps. Je programme la visite chez Harris pour demain. Davis, tu t'assures que la fille se pointe pas, elle a rien à voir là-dedans. Historien de guerre, et c'est moi qui parle, d'accord? Bon, ma journée de boulot est finie. Il va passer où, votre documentaire, là? À la télé? La chaise. T'es les trous du cul de la compagnie C, comment t'es ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas aimé les hamburgers au sable? Hé! Hey, salut les petits gars! Je parlerai qu'en présence de mon avocat! Rappelle-toi, le village de Koum. T'as tué le chef d'une guérilla. Son nom, c'était Hussein Ben Ammar. Tu confirmes? C'est quoi ce truc? Il les connaît, là? Tu commandais une compagnie là-bas. Ouais, une compagnie pour une opération. T'as assassiné Hussein Ben Ammar, devant témoin. Tu l'as buté devant sa famille. Ok. Oui, c'est moi et j'ai fait ça. Bien vu, je vous pisse au cul. M'attendez ça chez moi. Lève-toi. Hé hey, toi, tu me touches pas! On a ce qu'on voulait. Maintenant, si je vous disais que c'est un autre qui a buté votre chef de guérilla. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas. Mais il écrit un bouquin sur la guerre d'Oman. Vous pourriez le trouver là-dedans. Si vous saviez lire. Allez, dans la salle de bain. Non. Attendez, ça me revient. En voyant vos troncs enfoirés, il s'appelle le sergent Cule ta sœur. J'encule ta sœur, ouais, et je l'encule à sa gueule. T'es un homme mort, toi. À genoux. Bon de baiser, ça vous fait bander! Baisse tes mains, connard! T'arrives de merde! Putain, je crois pas. Putain! Tiens le verre. Si je vous retrouve, okay. Je vous crève comme des chiens. Pauvre mec. Merci. Apparemment, votre ami a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Ce que je voulais pas faire. Vouloir, pouvoir. Il a vengé Hussein. Ça ferait plaisir à ton père, mais pas à toi. Que voulez-vous dire? Tes trois frères sont morts. Ils pourrissent dans le sable. T'as jamais voulu les venger toi-même? T'avais peur de te salir les mains? Pourtant, faudra t'y faire. Là où tu vas, finis les palaces, une qui tourne et un trou pour chier. Il est ton pire cauchemar parce qu'il va réussir. Et ce jour-là, tu dégages d'ici.
quand je t'aurai retrouvé dans ton désert, que tu me quittes. Je ne te louperai pas. Alors, t'en penses quoi? Ça commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce que tu cuisines pour le réveillon? Oh merde! Mais quel con! Les étrangers qui vivent par ici ont quelque chose d'exotique. Ah bon? Je suis si étranger que ça? Je sais pas, mais t'es exotique. Danny, mon petit doigt me dit que tu as une histoire à raconter. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? La fête, c'est dehors? Bonne année. Coutume locale. Bonne année. Mirbat. Le nom de l'artiste est au dos. Dites à vos hommes d'aller lui parler. Autre chose. Mes gars ont eu quelques soucis à Oman. On m'a dit qu'ils étaient suivis. Eh bien, nous allons étudier ça de près. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'on fait pour les rendre si vivants. Quoi ? Les photos des gars, c'est pas de la triche? Je recrée un événement historique. Obligé d'être précis. Vos images de Mirbat, elles m'ont foutu un sacré coup. Vous étiez à Mirbat? J'avais un copain là-bas. Je m'étais dit que vous auriez peut-être son adresse. Vous êtes du SS? Je l'étais. Vous avez essayé avec l'association des anciens du régiment? Vous auriez plus de chance. Ils veulent pas me recevoir. J'ai passé des années à vendre mes talents à l'étranger, en Angola, partout. Cette visite n'est pas officielle. Peut-être. Peut-être que j'ai quelque chose quelque part. Donnez-moi 5 minutes. Je vous en prie. J'ai un type qui me pose des questions sur Mirbat. Il dit appartenir au régiment. Non, il peut pas être du SAS. Oui, je le sens en plein nez. Oh, c'est un putain d'imposteur. D'après mon contact, la communication a été interrompue. Megaoling a dit que quelqu'un lui posait des questions sur Mirbat. Ça peut être que notre homme. Et que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on le trouve. Sinon, va y avoir un autre meurtre et ce sera un de nos gars de Mirbat. Mais ces gens-là, qui sont-ils? Des pros, ça c'est sûr. S'ils ont pas peur de se frotter au SAS, ce sont obligatoirement des tueurs professionnels de haut vol avec un sacré palmarès derrière eux. Pour commencer, ils sont indétectables. Notre seule piste, c'est Oman. Oman? C'est tout ce que là-bas, il y a eu un certain nombre de bavures. Oman, Mirbat, un jour faudrait arrêter de remuer tout ça. C'est aux Gallois qu'il faut dire ça, pas à moi. C'est vrai. On doit mettre la main sur ce faux Gallois et son équipe. Le dossier dit qu'un officier du SAS aurait tué le fils du cheikh à Mirbat. Warwick Stephen Craig.
Le seul officier en poste cette nuit-là, il tirait sur tout ce qui bougeait. C'est notre pire cauchemar, un psychopathe. Voilà à quoi il ressemble. Où t'as eu ça? Chez l'artiste peintre lui-même. T'en fais pas pour lui, on lui a fait bouffer son dernier pinceau. C'était pas prévu au programme. Mais ça fait partie du jeu quand on nage en eau trouble et profonde. On essaie de s'en tenir au plan, d'accord? Vous l'avez pisté, ce Craig? On fait comment pour lui? Sa femme est hospitalisée. Quand il s'entraîne pas pour la marche des sélections, il est à son chevet. On a qu'à le faire là-bas? Non, pas devant la famille. Trouvez-moi des infos sur cette marche. On verra où ça nous mène. Ok, donc... il reste que 3 survivants de Mirbat en Angleterre. J'ai mis des gars sur 3 d'entre eux. Je t'ai réservé la star du groupe. Warwick Craig? Tu déconnes? Malheureusement, non. Bienvenue en enfer. La marche de sélection du SAS. 65 bornes, 25 kilos sur le dos. Il y en a un qui meurt une année sur deux. N'y pense même pas. Pourquoi? Durant la marche, le terrain grouille de SAS. Ouais, mais tu l'as dit toi-même. Il arrive que des gars en meurent. Tu vas lui courir après? Des mois d'entraînement autant courir après un lévrier. Il suffira de le ralentir un petit peu. Insuline, chloropropamide... vos initiales ici. Alors du nouveau? Non. Craig est là, avec madame. Tenez, patron. Pour tenir le coup. À la tienne. Pennock, j'ai besoin de toi ici, vite.
Putain, vous n'allez pas le croire, quelqu'un surveillait Craig. Quoi ? Tu crois qu'il est dans l'équipe du tireur du désert ? Possible, c'était un pro. Je sais pas qui c'est, mais il est arrivé trop tard. Ah, bien, bien. D'abord, la chlorole ralentit. Ensuite, l'insuline le met en état de choc. Hypothermie assurée. Et tu vas lui faire avaler ça quand ? Avant la marche. Comment ? C'est une base du SAS, Danny. Où toi, t'as fait tes armes. Alors tu vas te souvenir de la sécurité et de l'enceinte. T'es cinglé. Tu veux le faire ? Toi, t'es un fou furieux, Danny. Vraiment cinglé. T'as moins d'une minute, ok? C'est interdit de s'arrêter ici. C'est pas moi, c'est le camion. Bouge-le de là, sinon on s'en charge. Ah, ok, ok, mais il pisse de l'huile, regarde. Je peux pas faire grand-chose. Et coupe ta putain de radio. A annoncé aujourd'hui la mort d'un officier de l'armée au cours d'une manœuvre. Âgé de 33 ans, le major Warwick Steven Craig a été victime d'une hypothermie pendant qu'il faisait un exercice au camp de Brecon Beacons. Les conditions météorologiques étaient épouvantables au moment de l'accident. De respect, s'il vous plaît.
Qui dit mieux ? Je viens les bras chargés de cadeaux. Un petit colis de mon équipe en Angola. Je sais pas du tout comment ça se mange. Alors ? Alors ? Qui nous colle aux fesses ? Je m'en occupe, t'inquiète. Écoute, il n'en reste plus qu'un. Une fois réglé, je vous trouve à tous un boulot peinard sous les tropiques. Pour moi, ce sera la retraite. Je suis un vautour, Danny. Et je me nourris de tueurs. Ça me laisse aucun choix. Tu as entendu parler des 2%. C'est toi. Davis, le SAS, les gars comme vous. Mercenaires, tueurs à gages, héros. Vous faites partie des 2% d'hommes qui sont des tueurs nés. La retraite, ça n'existe pas pour vous. On n'échappe pas à sa nature, Danny. C'est pas du tout ma nature. C'est mon métier. Il y a des tas d'autres trucs que je peux faire. Ouais, ouais. Cette discussion est touchante, mais revenons-en au business en cours, tu veux bien? La troisième cible, le Major Simon McCann, alias McCann le Barge. Tu l'as trouvé où? J'ai demandé. C'était facile. Sa cote a baissé. Aujourd'hui, c'est du mercenaire bas de gamme. Une cible ambulante. Je t'avais pas dit que j'avais des présents pleins les bras? Tu sais où me trouver. Méfie-toi de ce serpent. Il ment. Ouais? Comment tu sais ça? Ses lèvres remuaient. Il nous a trouvé une troisième cible. Tu peux pas en dire autant. Ouais, mais on était suivis. Je veux sortir Under de ce merdier. Que tout ça finisse. Et moi, je veux dépenser le blé quand on l'aura. Comme ça, tu pourras vite te payer une belle paire de baloches. On s'occupe de McCann, d'accord? J'arrive à me convaincre que tout va bien, parce qu'avec toi, je me sens bien. Et puis, quand t'es pas là, je réalise qu'en fait, je sais rien de toi. Je sais pas où tu vas, je sais pas ce que tu fais. Bref, t'as une double vie, Danny. T'as une autre femme, c'est ça? Anne, s'il te plaît. Alors, explique-moi. Enfin, merde, pourquoi tu dis jamais rien? Qu'est-ce que tu caches? On peut en parler à mon tour. Laisse tomber. Merde. Quoi? Pour chaque belle femme, comme on dit, il y a toujours un mec qui pète un câble. Ferme-la, s'il te plaît. À vos ordres. C'est lui? C'est bien lui. Le Major Simon McCann. Il servait dans l'armée du sultan avant d'être mis à la retraite pour invalidité il y a 4 ans. Une plus. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites, bande de cons? Casse-toi, grand-père. Tu veux que je t'éclate? Il a pas l'air d'être invalide. Comme je disais, il y a une bombe qui a pété sous sa jeep et fait sauter tous ses plombs. Il garde pas un seul job. Lui, il finira chez les dingues. Oh. Non, mais regarde. J'ai fini, c'est bon. Non, arrête. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est qui? On a eu un entretien frontal l'autre jour à l'hôpital. Ok. Attends. On y va. Le lâche pas. Devant ma porte. C'est bien. Je voulais juste savoir.
Le monsieur à la Jaguar verte. Comment il s'appelle? Il s'appelle Spike Logan. Une sorte d'ancien militaire. Il a perdu un œil en jouant le héros quelque part. Il est sans boulot. Et on ne lui connaît aucun emploi du temps. Vous ne savez donc rien de ces gars-là. Les renseignements, c'est votre gagne-pain, non? Ne vous torturez pas pour ça. Si je me torture pour ça, vous devriez aussi. Chaque fois que mes gars font un geste, il y a quelqu'un qui leur colle au cul. À moi, si on me demande mon avis, il serait largement temps que vos belles pompes aillent botter quelques culs. Oui, mais personne ne vous demande votre avis à vous. On vous propose un entretien pour un poste à la sécurité, Monsieur McCann. Oui. Vous nous avez été recommandé par un ami commun du SAS. Ah, vraiment ? On se verra donc mardi 17 à 10h. D'accord. Nous nous en réjouissons. À mardi, alors. Absolument. Il y sera. Bien. Je saisis pas. McCann habite ici. L'entretien aura lieu ici, mardi à 10h. Il passera par là. Les freins de Boston. Parfait. Pas si parfait que ça, Boston. C'est pas moi qui étais aux commandes ce jour-là. On a 10 jours. 10 jours? Plus vite on le fera, mieux ce sera. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main, quand même. D'accord. Ah ouais, aussi simple que ça. McCann est surveillé. On l'aura comment, son aveu? On l'aura pas. On fera comme si. Avec une mauvaise lumière et une caméra. Tu prendras sa place, tu répéteras mot pour mot ce qui est écrit dans les rapports. Les soldats de plume. Votre chien d'attaque, il serait temps de le mettre à la niche. Ensuite, nous mettrons ça au planning. Messieurs, nous serons à vous dans une minute. Je veux assurer la protection du Major McCann 24 heures sur 24. Je sais que McCann est un vieil ami à vous, mais en quoi ça nous concerne? Pourquoi lui? Parce qu'il nous aidera à coincer les pourritures qui ont tué Greg et Harris. Les autorités n'ont trouvé aucune preuve tangible pour ces deux affaires. Quoi? Comment ça, aucune preuve? J'ai toutes les preuves là-dedans. Tout le monde dans cette pièce sait que ces deux hommes ont été exécutés. Et tout le monde sait aussi que McCann est le prochain sur leur liste. Ça suffit, Spike. Il n'y a plus une seconde à perdre. Alors je propose un vote. Oui, mais pour ça, il aurait fallu être au complet. Alors, nous devons attendre. Il l'a éloigné exprès parce qu'il avait prévu qu'il y aurait un vote. Spike, s'il te plaît, écoute-moi. Ça prend des proportions. En haut lieu, on se pose des questions, la pression monte d'un cran. Ils ont leur réputation à défendre. Je suis pas là pour défendre des réputations. Je veux bien être imperceptible, mais pas impuissant. Rien ne m'arrêtera. Tu réalises que tu n'auras plus aucun soutien de personne. L'identité de tes hommes, y a que toi qui la connais. C'est toi qui donnes les ordres. Et alors? Alors? Quand tout va éclater, c'est toi seul qui va plonger. Plonger? Plonger d'eau. Fini pour moi toutes ces réunions de boutiquiers. Je vais le trouver moi-même. C'est un bon gars, t'en fais pas. Et puis je me tape sa maman. Et il sait qu'on a même pas sa maman au boulot? Ouais. Salut bien tes potes à Oman pour moi. Danny, ça s'est passé comme ça à tes débuts? C'est ton premier job? Putain. Mon premier coup, le lendemain, j'ai gerbé toute la journée. J'étais très jeune, très con, comme on les aime à l'armée. Je vais assurer, t'en fais pas. C'est pas très difficile.
Tuer, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de vivre avec. Si je le vois, je t'appelle. Et surtout, n'hésite pas à faire passer le mot. Il y a une jolie petite récompense à la clé. T'inquiète pas, je serai sur le coup. Un dernier et on s'arrête là. C'est parti. Il est en retard. Garde une distance de 20 mètres et donne-moi de la visibilité. Ouais, d'accord. T'as appris à conduire. On est derrière lui. À 90. Tu auras Danny en visuel dans une minute. Colle-le, ne lâche pas, Jake. Je l'ai. La cible est en vue. Je vais la rater. Allez, vas-y, mets-toi derrière lui. T'attends quoi? Vas-y! J'ai pas la place! Pousse-le! Mais je peux pas! D'accord, alors dépasse-le. Meyer, putain, tu fais quoi? Faut lancer un décompte. Meyer, fais pas tout foirer. Ça marche aussi dans ce sens-là. Détends-toi. Davis va lancer le décompte. 400 mètres. Ok, guide-moi. 300 mètres. Voie extérieure, Meyer. 200 mètres. Attention, il arrive. Plus que 100 mètres. Arrête la voiture. Soyons sûrs qu'Elvis a bien quitté le bâtiment. La cible avait un garde du corps. Prenez la bretelle de sortie. Amenez-le-moi. Il avait un putain de garde du corps. Tu l'as eu, mec, tu l'as eu. Ta gueule, il démarre. Fonce. Je sais pas, Davis, on fait quoi maintenant? Il déboule à fond la caisse! Par là! Je tire à l'aide, prends à gauche! Par là, sur la gauche, continue à gauche! Accroche-toi! Davis, repends! Davis, mais t'es où, bordel? Je vous ai tous bien baissé, enculé! Fonce, putain! Descends de la voiture! D'où tu sors, toi, putain, d'où tu sors? Écarte-toi de moi de la voiture! Jake! Oui. Ne t'énerve pas. Fous la voiture! Doucement! Ok, d'accord. Non! Oh!
Pas de papier. Que dalle. Pas un seul indice. C'est qui ce type? Fallait pas que ça arrive. Putain, il fallait pas que ça arrive! Fanny, calme-toi. Fanny. Quoi, calme-toi? On allait finir le travail. Tranquille. Merde. C'est qui ces bâtards? J'en sais rien, mais ils cherchent leur mec. Quoi qu'il leur en coûte. Jake, appelle ce numéro. Dis à l'agent d'envoyer l'équipe de nettoyage, rapidos. Et branche cette radio dans ma voiture. Moi ça. Alors ça y est? Ouais. C'est fini. Je pars cette nuit. Fais-en autant. Il nous talonne. La part de Mayer, on en fait quoi? Il doit avoir un proche. Pauvre gars. Je vais me faire une pute à sa mémoire. Il aurait aimé. Ouais. Bonne chance, vieux. À toi aussi, Davis.